Everybody, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais faire une vidéo pour vous montrer mon rangement de make-up, mon rangement de maquillage. Je vais vous montrer ma coiffeuse, comment je range mon maquillage. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine. Et voilà, on peut commencer la vidéo, let's go. Alors pour commencer, voici ma coiffeuse avec le miroir là qu'on peut allumer qui fait lumière LED. Le tabouret sur lequel je suis assise, il vient de chez Babou. Il sert de rangement, il y a des sacs à main dedans. Voilà. Là on a un plateau qui vient de chez Action. Et on a les rangements make-up, c'est des rangements qui viennent de chez Primark. Ça vient pour les pinceaux, c'est en deux parties, les pinceaux on les met là-dedans. Et ça c'est le couvercle, mais j'utilise comme pot quand même. Ça vient de chez Kiko. Cette pochette elle vient des Galeries Lafayette. Là j'ai trouvé pour mes Beauty Blender une petite boîte, ça devait être une boîte de chocolat. Voilà. Donc là, on a tous les produits pour le teint, sur les deux. Là, on a tous les produits pour le teint, plus des highlighters au fond. On a des highlighters Fenty Beauty, des sticks Fenty Beauty. On a tous les fonds de teint là, et là. Et les bases de teint. Il y a des bases là, et là. Donc là, on a plein de mascaras aussi. On a tous les mascaras. Le recours au bord de cils, les mascaras, il y a mon Better Than Sex. Là, il y a la version mini et pas waterproof. Donc voilà. Et là, on a les anti-cernes. Donc tout là, tout là. Là, on a des produits pour le teint encore, des sticks contouring. Là, on a dans le premier tiroir... On a des blushs et des highlighters, des petites palettes de blush highlighter. Ça, je vais l'ouvrir. Voilà, des petites palettes comme ça. Dans le premier tiroir, on a un highlighter et un beurre pour les lèvres. Dans le deuxième tiroir, on a des poudres. Donc là, il y a l'Oréal, la bleue, et il y a la W7 que j'utilise pour le baking, qui arrive en fin de vie, il me faut une nouvelle poudre d'ailleurs. J'en ai une Primark, mais elle n'est pas super de bonne qualité, mais elle fait l'affaire en attendant que je m'achète, que je me retrouve une nouvelle poudre. Donc là, on a tous les pinceaux, on a tous mes pinceaux dans les deux pots. En fait, c'est une seule boîte dont j'ai fait deux pots. Donc là, dans le premier tiroir, on a la base à fard à paupières. On a tous les fards à paupières qui ne sont pas dans les palettes, qui sont uniques. Là, là, en dessous, on a un highlighter. En dessous, on a mes gouttes pour les yeux. Quand on a les yeux rouges de fatigue, ça rend les yeux blancs. C'est des gouttes bleues. Qui rendent les yeux blanches, qui rendent les yeux blancs. Un œil, pas une œil, un œil. Une base à fard à paupières, mes fossiles, des paillettes. Ça, c'est des petites paillettes que je colle avec une colle à fossiles qui est juste. Maintenant, elle ne rentre plus. Une colle à fossiles qui est juste là, qui vient de chez Claire's. Et là, on a un fond de teint encore, donc produit pour le teint. Donc là, sur la coiffeuse, c'est surtout les pinceaux, les produits pour le teint. Donc voilà. Là, on a amené la petite poche dans ma petite pochette des Galeries Lafayette. On a tous mes soins. Donc là, il y a mes lentilles. Il y a ma crème hydratante. Il y a mon sérum. Il y a une autre crème anti-rides. Il y a
ma crème contour des yeux. Il y a un autre sérum qui vient de chez The Body Shop, je crois. Ouais. Donc voilà. Donc la pochette, c'est vraiment pour les soins. Après, donc on a la coiffeuse là. On a un miroir là pour voir comment je m'habille. Pour voir ma tenue du jour. On a un autre miroir là dont je sais pas quoi faire. Donc je l'ai mis là. Je peux me regarder des fois ici. Vu que mais dans le placard là, oulala, c'est le bazar. Mais vu que dans ce placard j'ai des petits bacs avec mes foulards là, mes hijabs. Et là mes écharpes. Et là mes petites cagoules. Mes petites capuches. Là il y a mes ceintures. Et donc comme je disais, vu que j'ai tous mes foulards à hijab ici, quand je mets mon hijab, je peux me regarder par terre avec ce miroir là. Enfin bref, donc c'était les miroirs. Donc là on voit ma coiffeuse de loin. Et juste à côté, juste au-dessus, sur le chauffage, j'ai tous mes rouges à lèvres dans ce rangement qui vient aussi de chez Primark. Ceux-là, je voulais pas les ranger dedans. Ces rouges à lèvres là, je voulais pas les ranger dedans parce que j'aime bien le packaging comme ça. Je le trouve super chouette, ce packaging. C'est des Fenty. Du coup, je voulais pas le ranger dans le. De toute façon, il n'y a plus de place. Il n'y a même pas de quoi mettre un petit doigt. Même mon petit doigt, il rentre pas. Vraiment, il est blindé ce rangement. Il y a vraiment tout mes rouges à lèvres. Là, dans cette boîte-là, on a, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Là, on a tous mes crayons, que ce soit crayon noir pour les yeux ou crayon à lèvres. J'ai mélangé les crayons à yeux, les crayons pour les yeux et les crayons pour les lèvres dans cette boîte-là. Donc voilà. Là, on a un petit pot avec des pinceaux que j'utilise pas. Là, on a un shampoing sec de chez Baptiste. On a un truc pour faire des massages sur le visage. Voilà. Ça ne veut plus rentrer. Voilà. Là, on a une boîte trop mignonne. Une petite boîte matelassée. Avec comme s'il y avait un petit nœud papillon au-dessus en plastique. Transparent. Et quand on l'ouvre, on a tous mes chouchous, toutes mes barrettes, tous mes élastiques, toutes mes barrettes. Il y a même un bonbon qui traîne. Donc voilà, je la mets là. Dans cette boîte, là, on a mes bandeaux. On a quelques produits, les sprays fixateurs par exemple. Les sprays fixants. Là, on a un masque pour le nez, pour les points noirs. On a des produits que je ne savais pas où mettre. Je savais pas où mettre ces produits-là, donc je les ai mis dans cette petite boîte. Là, derrière, on a mes lingettes démaquillantes. Et là, dans cette pochette-là, dans cette trousse, c'est une trousse Dolce & Gabbana. Je sais pas si on voit bien. C'est ici que c'est écrit, ouais. Voilà, c'est une trousse Dolce & Gabbana. Je l'ai achetée aux États-Unis dans une friperie. Il y a tout le reste de mon make-up, tout le make-up qui est resté, que j'avais plus de place pour le ranger dans les rangements que je vous ai montré, comme cela ou celui d'en haut. Donc il y a des poudres, celui-là, ce highlighter, je l'ai pété, je vais pas l'ouvrir, il est en miettes à l'intérieur. Je l'ai cassé, c'est un Jeffree Star, je suis dégoûtée. Il est complètement cassé. Donc j'ai même une huile pour le visage que j'ai achetée à Action, que j'aime pas trop parce qu'elle est trop huileuse, elle sèche pas. J'ai une autre huile, j'ai un sérum en huile qui sèche sur la peau, que je préfère. Lui il reste gras, je l'aime pas trop. Là, on a de la poudre, une poudre Kiko. En fait, là, on a tous les trucs qui prennent beaucoup de place. Tous les gros pots, les gros produits.
les produits qui prennent beaucoup de place. Voilà. Donc c'est dans cette pochette-là que j'ai mis juste là. Là en haut, on a des soins, des crèmes pour les des crèmes hydratantes pour le corps, des mousses pour les cheveux. Par exemple, ça c'est une mousse pour les boucles. Là, on a le sérum pour mes lentilles. Et voilà, on a ma brosse à cheveux tout derrière qui est là. Et on a de la laque, on a des soins pour les cheveux, des crèmes pour les cheveux, des choses comme ça. Donc voilà. Et vous devez vous demander où sont passées mes palettes. Alors mes palettes, elles sont là, là-dedans, dans cette grosse mallette. Déjà, on a... Bon, ce miroir, je ne savais pas où le mettre, donc j'ai laissé là. Déjà, on a cette mallette. Cette mallette, elle est pleine de fards à paupières. Il y a un miroir là. Et elle s'ouvre. Elle s'ouvre comme ça. Bon, en bas, c'est un peu... Tout est cassé en bas parce que quand je l'ai bougé... Bon, là, il reste un fard à joues qui n'est pas cassé. Il y a des rouges à lèvres. Mais là, les poudres, elles sont un peu cassées. Parce que je l'ai trop bougé et en bas, ça, c'était pas bien, bien stable. Donc voilà, ça vient de chez Marionneau. Il y a écrit là, Marionneau. Il y a vraiment toutes les couleurs dans cette mallette. C'est ça que je kiffe dans ces fards à paupières là. Et ils sont super bien pigmentés. Regardez. Donc ils sont super beaux. Voilà, donc on a cette mallette là juste ici. Et à côté, je repose ça là. À côté, là, quand on ouvre cette mallette, on a toutes mes palettes. Vraiment toutes mes palettes. Je ne sais pas combien j'en ai, je ne les ai pas comptées. Je dois en avoir une trentaine. Parce que c'est vraiment rempli. C'est vraiment très rempli. C'est à ras-bord. Si j'en rajoute là, ma mallette, elle ne se ferme plus. Donc voilà. Toutes mes palettes. Et là, on a un miroir. Là, on a de quoi mettre des pinceaux. Tiens, on a de quoi mettre des pinceaux. Je vais mettre mes pinceaux là-dedans. J'y ai pas pensé. Cette vidéo me permettra de penser à ça. Et là, il est où le bouton? Quand on appuie sur le bouton, ça s'allume des deux côtés. J'aime trop cette mallette. Elle est trop belle. Donc voilà. Je vais mettre des pinceaux là. Tiens, attendez une seconde. C'était une très mauvaise idée. Mes pinceaux, ils sont très bien là où ils sont. Celui-là, le gros, il prend trop de place. Et que si je la laisse là, si je le laisse là, quand je ferme la mallette, eh ben ça se ferme pas complètement. Donc c'était une très mauvaise idée. Donc le pinceau, je le laisse là où il était. Donc voilà, pour en finir, voilà avec ce rangement make-up, toutes mes palettes, j'ai éteint. Moi, ouais, j'ai éteint. Il se ferme plus si ça se ferme. Donc voilà. Là, il y a tous les produits pour le teint. Là, il y a tous les produits, les rouges à lèvres. Les produits en surplus. Et les palettes là-bas. Voilà, mon rangement make-up. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, laissez des pouces en l'air, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis tchuss, à la prochaine!